Allez, allez, donc salut à tous les gens, on se retrouve donc pour un petit tuto, un très très court tuto, donc pour tout simplement faire en sorte de se retrouver donc solo sans l'IA. Personnellement, j'ai joué un bon petit moment et franchement, au quotidien de mes lives, ça me faisait un peu chier de ne pas de toujours avoir des bots qui sont dans vos pattes en train de limite vous carry et à chaque fois vous push les ennemis dans tous les sens. Donc, résultat, j'ai cherché un peu comment faire. Donc j'ai enfin trouvé, donc pour l'instant je suis le premier aujourd'hui à ce jour à avoir trouvé comment faire, enfin comment faire, je pense en termes de vidéo bien sûr, donc en termes de vidéo je suis le premier à avoir posté ces vidéos du coup. Donc nous sommes actuellement le 28-09-2019, hein, bien sûr, voilà. Donc le truc est assez simple, c'est tout con. Donc tout simplement en fait vous allez voir votre partenaire actuel, donc soit Louis, soit les autres personnages, hein, sans spoil bien sûr. Voilà, donc vous avez changé de partenaire. Quand vous faites changer de partenaire, hop, comme ceci, donc là ça vous ajoute le partenaire. Donc par exemple, je veux changer, je fais ça, hop, je change de partenaire. Hop. Oh non, ça lance une cinématique, non? Oh putain, le con. Bon bah voilà, j'ai eu Atlas. Merci mec. Donc voilà, si je fais changer de partenaire comme ceci. À chaque fois, vous aurez un bot. Donc, le truc assez simple, c'est tout con. Donc, vous reparlez à la même personne et vous faites arrêter le partenariat. Et dès que vous faites ça, vous allez vous retrouver solo. Donc, je vais vous montrer. Hop. Tac. Donc, pour éviter les spoils, on va juste se mettre là. Là où il y a le tuto. Hop, et vous allez constater bien sûr que je suis tout seul. Donc vu que j'ai un build un peu tout simplement basé sur le poison et le distance et tout, souvent je pose des pièges, etc. Et malheureusement le bot il no brain, donc résultat je me retrouve à poser des pièges pour rien et tout, c'est super méga chiant. Et je trouve ça aussi super super pété le bot qui peut vous ranimer tout le temps, donc ça vous fait pas avancer en termes de comment dire. En termes de difficulté, ça vous pas du tout avancer. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai cherché à le retirer, ce bot. Donc les chargements de ton stade, c'est long. Je suis actuellement sur PC. Et pourtant, les chargements sont quand même assez longs. Donc voilà. Donc comme vous pouvez constater, je suis tout seul. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto aura aidé pas mal de personnes. Parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de détails à ce niveau-là. Donc par rapport à la démo, c'est pas du tout le même système pour enlever les partenaires. Donc voilà. Donc ça marche bien sûr dans l'histoire. Et ça marche aussi dans les donjons. Donc dans les profondeurs. Donc par contre faites attention parce que vous avez quand même un succès qui sont liés aux IA. Donc enchaînez 50 discussions au cours de votre aventure avec des IA. Donc faites attention, sachant qu'ils peuvent vous aider aussi au départ. Donc voilà, donc sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis un prochain live et un prochain tuto aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch, hein, surtout donc Crazy Knight TV. Et désolé, j'ai pas trop l'habitude de faire des tutos parce que ça m'intéresse pas trop. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher un petit follow et tout simplement me mettre des questions dans les commentaires ou bien tout simplement me demander quelques questions plus sur le jeu. Donc voilà. Allez, à plus les gens.